Alors peut-être que le POC, c'est de moins en moins le graal de la direction d'innovation et de la recherche des startups, parce que dans POC, on entend en fait la preuve de concept, c'est-à-dire est-ce que l'idée peut fonctionner, et c'est une notion un petit peu de démonstrateur. Et en fait, pour une start-up, le fait de faire un démonstrateur avec un grand groupe, ça peut être un espèce de miroir aux alouettes où on a l'impression effectivement d'avoir décroché le Graal et in fine, on n'arrive jamais à déployer et à atteindre la totalité des clients ou des collaborateurs du grand compte. Donc l'idée pour moi, c'est justement plutôt que de faire des POC qui de temps en temps peuvent être un tout petit peu hors sol ou uniquement des démarches un petit peu intellectuelles d'innovation un petit peu lointaine, c'est de passer sur une vraie démarche d'expérimentation. L'expérimentation a la caractéristique d'avoir des objectifs précis, quantitatifs et qualitatifs, et surtout de dire, si l'expérimentation est positive, voilà le partenariat business que globalement on peut se donner comme objectif entre la start-up et puis le grand groupe. Donc l'idée, c'est vraiment que l'expérimentation, ce soit vraiment un moyen de lever les freins ou d'obtenir des premiers retours de marché pour décider après de déployer ou de ne pas déployer. Et ce sujet-là doit déjà être en tête de la start-up et du grand groupe quand on décide de lancer l'expérimentation.